Séparé depuis plusieurs semaines d'Aramo Anion, le couple avait passé près de 12 ans ensemble dont 8 de mariage et est devenu parent de Nina née le 17 août 2018. Adriana Carambeu s'est rendue à la 45e édition de la cérémonie des bestes de Massimo Gargia au Cercle de l'Union Interalliée à Paris. Rayonnante, la mannequin de 51 ans est apparue avec une veste fluide blanche associée à un top en satin et dentelle au décolleté XXL. Souriante et lumineuse, elle a posé aux côtés de l'influenceuse Lena Marfouf, Lena Situation, dans une robe qui en montrait beaucoup, Massimo Gargia, Thomas Dutron, Mia Fry et Nicoletta. Invitée de prestige, Mathilda May est arrivée au bras de son épouse Lyle Johnson, ancien du groupe de musique mythique des années 2000 Cyan Supacru, qui a également été aperçu en tant que chanteur à l'orchestre de l'émission Le Late avec Alain Chabat sur TF1. Amoureux, le couple a posé très tendre l'un envers l'autre devant les photographes. Magnifique en noir, la comédienne de 57 ans a opté pour une chemise en satin ainsi qu'une jupe longue avec des escarpins vernis. Pour sublimer son visage, Mathilda May avait choisi un rouge carmin vif pour illuminer ses lèvres. De son côté, son époux portait un costume de pièces noires composé d'une veste à revers satinée. Samina Seri en charmante compagnie. Lors de cet événement, Samina Seri était présent avec sa compagne, une actrice et modèle de 25 ans prénommée Sofia Athéna. Pour rappel, la star de la saga des films Taxi avait officialisé sa relation avec la jeune femme en février 2022 lors d'un dîner à Paris. Tex, Sylvie Testu, Patricia Contrera, Orlando, Isabelle Bartou, cofondatrice et dirigeante des Galeries Bartou, Jean-Claude Gitrois, Brigitte Fosset, Henri Jean Servat, Hélène Ségara et Grégory Bakian étaient aussi de la fête pour assister à la remise des prix de la cérémonie des bestes. Créée par Massimo Gargia en 1978, cette cérémonie très glamour récompense chaque année les hommes et femmes les plus élégants par leur style de vie et leur travail. Un rendez-vous incontournable pour de nombreuses personnalités françaises.